Bonjour, je m'appelle Marc Dellenbach, je suis entraîneur de l'équipe d'Allemagne chez les jeunes, mais j'étais avant entraîneur de l'équipe de France pendant les 4 derniers Jeux Olympiques. Et je vais analyser aujourd'hui la vidéo d'un tireur. Alors, cette vidéo est intéressante parce que le tireur qu'on voit à l'écran tire plutôt très bien techniquement. Il y a beaucoup de stabilité, du rythme et du relâchement, les qualités essentielles pour tirer une bonne flèche. En revanche, on s'interroge un peu dans quelles conditions il s'entraîne, puisque là on a l'impression que c'est à très courte distance et qu'a priori il n'y aurait pas de cible. Donc c'est très bien d'avoir une bonne technique sans cible, mais c'est plus intéressant d'observer la technique de tir aussi en situation de recherche de performance. Alors généralement, on prône 3 secondes avant d'arriver au visage et 3 secondes pour déclencher le tir. Ça veut dire un temps de tir de 6 secondes. Donc on voit que là, on est même un petit peu plus rapide que ça. C'est sans doute la raison pour laquelle il n'est pas sur cible dans cette situation-là. Mais il respecte à peu près toutes les règles qu'on exige d'un archer compétitif, c'est-à-dire de la stabilité, du rythme et du relâchement. C'est quelqu'un qui doit s'entraîner assez régulièrement et qui doit avoir quelques années de pratique. Alors après, pour rentrer dans le détail, c'est assez compliqué avec la vidéo parce qu'il faudrait des plans un petit peu différents et plus ciblés, mais de ce qu'on peut observer dans ce plan-là, peut-être qu'effectivement, sur l'ancrage, il est un petit peu trop en arrière et il pourrait se permettre d'être un petit peu plus au milieu du visage avec la corde au milieu du nez. Et bien, à bientôt sur CoachMe. Je crois que c'est le coaching moderne et je suis très content d'avoir participé.